Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de Roncisher Line. Notre vol à destination de l'amusement devrait bientôt débuter. Il reste 3 tours de ronflement. Veillez à bien attacher votre Pritec pendant le décollage. Du somme sera à votre disposition pendant le vol quand vous vous retrouverez à 0 PA face à un Feka ou un Roublard. Si vous êtes sujet à des maux d'estomac ou à des vomissements, rien ne sert de s'inquiéter. C'est simplement que vous êtes bel et bien dans la méta 200. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un excellent voyage. Waouh, 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 l'arachné qui est full boost. J'aurais adoré suivre ça, mais en fait, j'ai prévu de m'amuser, en fait. Mais ça peut sembler bizarre, hein. Quelqu'un qui arrive et qui joue en 3-3-200, qui arrive par hasard sur le live et qui écoute, qui m'écoute en train de dire que je veux m'amuser quand je le vise, va dire, mais ouais, c'est pas le but, en fait. What the fuck, c'est pas le but de Dofus de s'amuser, c'est juste de faire avec moi de 20 minutes et de rager. En terminant le combat par un EZ alors qu'il a duré 40 minutes, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte, là, le streamer? Tac, tac, tac. Il y a un problème sur la coiffe de... La coiffe de classe Kra... Ouais, ouais, il y a un problème avec les... Les items de classe. Je pense qu'il va baisser vers... Vers octobre, non? Le temps que les ocs ont été générés avec les trucs divins... puisse être mise en vente. Oh waouh. Qu'est-ce qu'il va prendre? Bon, T1, il lui reste 1600 HP. Mutile. Si il rush juste un tout petit peu, je peux tenter un T2. Berserkek W. Tente là, yes. Ah. Merde. Pise. Bon jeu, Berserk. On a essayé, hein. Ça joue supplice. Ah ouais. Bon, il y a peut-être un monde où je le tue en vrai. Attends, c'est quand son ivoire? Il a pas d'ivoire. Oh putain de scintillant de merde. Ah non, c'est même pas un scinti, c'est juste un argenté. Je suis dégoûté. Pff, ouais, il était mort 1 million de fois. Maintenant, c'est moi qui suis dans la merde. Non mais l'argenté, en Kama, l'argenté c'est comme croquer dans un chocolat à liqueur. Tu vois un chocolat qui a l'air bon de base, tu te dis vas-y, c'est trop bien, j'avais envie d'avoir un petit goût de praliné, tu croques dedans et c'est de la liqueur. C'est, en fait c'est l'argenté scintillant. Faut arrêter avec cette connerie. C'est la dernière, en Kama, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, prochaine mage, c'est délette. Ouais, j'ai un ratio de ouf, 8 sur 9. Allez, traverser. Oh, what the fuck, je peux... je peux... Bah, je peux rien faire. Je peux rien faire. C'était sympa. Oui, mais en même temps, t'as qu'à pas jouer un perso mêlé, Uz. Un perso mêlé. J'ai une PO de ouf. Si j'habitais à Lille avec mon Upper, je pourrais viser Marseille, mais ce n'est même pas suffisant. Alors, tac. Tac. Hop. Hop. Et hop. Très beau Lotus. J'ai tué l'épée, j'aurais peut-être pas dû. Je l'aimais bien. J'aime bien les épées. Très petit lotus. 3 runes posées. De manière disgracieuse, j'ajouterais même. C'est quoi le jeu là? What the fuck? C'est le frustré trop ça? Ouais, on est où là? On est où? Counter-Strike? C'est vrai qu'on, vu la map, on pourrait croire à un FPS. C'est Valorant? C'est Dofus 2.
What the fuck, ça existe encore ce dead game? Oh la ligne de rune a été parfaite, what the fuck. Quel perso magistral, Lupin Mage. La grâce d'un aigle. Oui, mais le Dofus rétro... Comment ça, Corentin? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Dofus 2 et Dofus rétro. Donc, attends, j'ai trouvé une image de Dofus rétro, tu vois, ça n'a rien à voir. Là, on a des joueurs de Dofus rétro qui ont l'air de bien s'amuser. Là, ils font leur petite pause donjon. Ils en ont fait 15 avec 3 sorts tout le long. Donc, ils font une petite pause. Et ils vont bientôt y retourner. Ils ont fait les captures. Ils se réunissent. Nous, juste, on fait du colis sur Dofus 2. Il n'y a pas de colis sur Dofus rétro. Clap, clip, clap. Hop, hop, hop. On mitraille, on mitraille. Salut, Piccolose. Piège LM, hop. Hop. Tac, tac, tac. What the fuck, what the fuck. What the fuck les dégâts. Tu joues Juliette? Oh, Ashwar vient d'arguer. Il n'y en a plus beaucoup des FKR, pourtant j'aime bien. Ça m'avait hypé de rejouer à Dofus, mais... Si c'est ça la commu et les streamers, merci, au revoir. Oh ta gueule. Putain, qu'ils sont rabat-joie ceux-là. Attends, le mec il m'a répondu, il a osé faire de l'humour quoi. Ah putain, c'est pas marrant, hein. Ils sont vraiment pas cool les joueurs de Dofus. Ta gueule, Corentin. Oh putain, prends ton ticket pour les pattes déjà. Bon jeu, Pico. Je vais prendre mon stuff feu, femme routine pour changer. Réseau va jouer avec nous, du coup on go à 3 persos. Ah ouais. Mais vous avez pas de stuff? Merde. Alors attends, hop. Tac, tac. Tac, de la gymnastique. Hein. Comment vous allez faire? T'inquiète. Ah ouais, d'accord. J'ai compris. Attends, va pas si vite. Va pas si vite, toi. J'ai envoyé la pub. No stress. Et par contre, Uz, la gymnastique que tu fais, c'est très satisfaisant. Visuellement, je te dis, je kiffe. Sérieux? Bah, je joue juste Upper Mash, quoi. Donc, je passe à droite, à gauche, je fais des retours. Crit! Ah! Chat, j'étais 100% crit! Je vous ai mis une pression pour rien. Oui, bah, l'Upper Mash, voilà. La map nous appartient. Quand même pas, on n'est pas au point de Dunk Zellor, mais. Go, 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 go. Est-ce que tout le monde est prêt au coup d'Arc Volcorn? Moi, je suis prêt. Ah! Comment t'as su? Ça se sait. Ça, au bout d'un moment, ça se sait. Un crâne de sang qui a pas beaucoup de HP, c'est un casu-boy. Un casu-boy, c'est un coup d'Arc Volc. Bon, du coup, je suis mort, hein, je pense. Truc nul, est obligé de faire des mules pour win.
Ah oui, ok. Donc en plus d'avoir un stuff de merde, il est con. J'avais pas vu son message. Mais c'est vrai que t'as des mecs qui sont stuffés en arc volcorn et qui te tutoient. Attendez, on va lire sa page perso. Noyé de fire. Bonjour les fuineurs. Parce qu'on peut pas regarder son stuff. Un peu d'histoire sur moi. J'ai commencé le fus dans les années 2008. Et oui, j'ai connu US, la bonne vieille version 1.29. Je dois admettre que le jeu était beaucoup plus difficile que maintenant. Ce qui le rendait encore plus attirant. Point d'exclamation. Bah casse-toi. Casse-toi, va jouer à Dofus Retro, connard. Puisque c'était attirant de mettre 20 donjons pour faire la moitié d'un item. Les bons vieux Shenmue XP Grob en full sasa, où t'étais heureux si tu prenais 15 millions en 2 heures. Les tracks, les premiers Géano PA, ta gueule. On passe direct à la suite. Meneur de la guide, Lord of War, j'ai décidé d'arrêter Lofus quelques années plus tard car le jeu était devenu différent. Beaucoup trop de team 8 perso, plus d'entraide, plus... Attends, 2 secondes, c'est une thèse sa page perso ou c'est... une présentation de son personnage? Je comprends pas ce qui se passe. J'ai ensuite repris à plusieurs reprises sans trop persévérer dans le jeu, car je ne voulais pas avoir 8 comptes pour avancer. Il me semble que mes passages étaient sur les serveurs Elzéphine, Otomai, Crocoburio, Hagrid. Celui où je suis resté le plus. Je fais des passages, je n'étais pas à MMP, Dantinéa, Meno, Cthulhu. Bah si tu fais des passages... C'est que t'aimes bien finalement la version 2. Puisque tu fais payer des mecs 5-10 millions. Attends, mais le mec, c'est un hypocrite. Je fais des passages, je n'étais pas MP. Mais ce fils de jeu... Il est en train de dire qu'il n'y a plus d'entraide sur Dofus 2 et qu'il préférait farmer à l'ancienne en mode galère sur 1.9. Mais connard, c'est justement... c'est justement le pur libéralisme de faire des passages sur Dofus. Pourquoi tu te plains de... de la non-entraide. Enfin, c'est terrible. Hein. Qu'il est con. Mais qu'il est con.